je suis Julie. Aujourd'hui, je vais assister à une cérémonie de mariage. 婚礼, 婚, le mariage. 礼, la cérémonie. 婚礼, une cérémonie de mariage. Je vais donc vous montrer comment les choses se passent en Chine. Pour commencer, je suis bien sûr venue avec un cadeau. Un 红包, une enveloppe rouge garnie d'argent que je vais donner au marié. En Chine, la cérémonie de mariage se déroule en général dans une salle de banquet, en plein air sur la terrasse d'un hôtel ou bien encore dans un restaurant. Voici les stars de la journée. Xinlang, le nouveau marié. Xinyang, la nouvelle mariée. De nos jours, la cérémonie se fait de plus en plus simple. En général, les nouveaux mariés racontent brièvement leur histoire d'amour, décrivent leurs sentiments, puis ce sont leurs parents respectifs qui prennent la parole pour adresser au couple leurs meilleurs vœux de bonheur. Durant la cérémonie, les nouveaux mariés sont accompagnés d'assistants, qu'on appelle panlang, les garçons d'honneur, et panyang, les demoiselles d'honneur. Les célibataires peuvent ensuite venir tenter leur chance lors du traditionnel lancer du bouquet de la mariée. La cérémonie terminée, les invités font la queue pour prendre une photo en compagnie des nouveaux mariés afin d'immortaliser ce moment de bonheur. Après la cérémonie, les invités se rendent dans la salle de banquet où ils sont conviés à un grand repas. Tous les invités reçoivent un paquet ou une boîte de bonbons, un moyen pour les mariés de faire partager un peu de leur bonheur. Durant le repas, les nouveaux mariés viennent visiter chacune des tables pour remercier les invités de leur présence. Le mariage est aussi une occasion pour les amis et les proches de se retrouver. Alors, quelles sont les expressions que les invités peuvent utiliser pour adresser leurs meilleurs vœux aux jeunes mariés ? <t'en>